Je vais essayer quand même de parler un petit peu plus fort. Je vous explique. Ce bâtiment, ce nouveau bâtiment qu'on va faire ce soir, je pense que je pourrais le faire qu'une fois. Parce qu'il va être réhabilité celui-ci. Il y a un petit truc qu'il faut que je vous dise sur ce bâtiment. J'ai eu une enfance ici. C'est un bâtiment qui avait pour but, sans trop vous en dire, qui avait pour but d'accueillir. C'était un foyer pour les enfants. Voilà. C'est un foyer pour les enfants. Voilà. On va pas aller plus loin parce que c'est quelque chose qui me touche, qui est très très personnel et qui touche à mon enfance. J'y ai fait un séjour ici, plus ou moins long. Ça m'a beaucoup marqué et quand j'ai découvert que ce lieu était abandonné, je me suis dit il faut que je le fasse par tous les moyens. Donc je parle doucement, il y a une raison à ça, c'est que j'ai essayé d'avoir les autorisations. Malheureusement j'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de non, mais j'ai pas eu de oui non plus. Et le truc c'est que ce lieu, il va être réhabilité dans très peu de temps et je ne pourrai plus jamais le faire. Donc ce lieu, il a une importance capitale pour moi. Il fallait que je le fasse. Donc ce soir, je prends ce risque-là, je viens ici, je le fais. Et j'espère vraiment, vraiment, du fond du cœur, que je vais avoir des résultats parce que je ne le ferai qu'une fois. On va aller. En fait, j'arrête pas de me retourner parce que je suis pas du tout à l'aise. On va tout activer. Et on va commencer tout de suite, on va commencer direct. Allez, c'est parti. Il y a des dortoirs, il y a des toilettes, il y a des salles de bain. Alors là-dedans, il y a mon QG. Je peux vous montrer, ça n'a pas d'intérêt, mais... Voilà, tout mon matos. Ok, pas vraiment d'intérêt. Donc, on va juste refermer ça. Et on va évoluer. Ça m'inquiète. J'espère que ça va me refaire ce que ça m'avait déjà fait une fois. Alors là, vous voyez une chambre, tout ce qui est le plus banal.
Ici, j'ai mis du matériel, donc détecteur de vibration et une caméra ici qui va surveiller en fait cette zone-là. Donc là, je vais l'activer et vous montrer tout de suite ce que donne un petit peu ce plan. Voilà pour cette zone. Je l'ai mis ici parce que le bâtiment est très grand et qu'il faut des caméras un petit peu partout. Donc, comme je n'en ai pas beaucoup, je les place à des endroits un petit peu stratégiques, entre guillemets, pour essayer de capter un maximum de trucs. Ce bruit, n'y faites pas attention. Ça, c'est moi. Je peux pas faire autrement. Vous allez faire avec, n'en faites pas. Allez, on essaie de faire les choses. S'activer d'abord tout le matos. Je pense que ça sera plus simple. Et après on prendra le temps de... Regardez un peu les... zones. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi?
Alors, vous avez vu ce couloir? Là, il y a un escalier qui mène en cuisine. Oh. Il y a la salle où on mangeait. Et là, il y a des chambres, tout ça. Ici, il y a une toute petite pièce. Et cette petite pièce, les amis, c'était ma chambre quand j'étais petit, tout petit, quand j'ai passé mes séjours ici. C'était ma ridicule petite chambre. Pour vous dire à quel point on était des bébés. On était des tout petits. Et même moi à l'époque, j'avais un souvenir qu'elle était plus grande que ça. Mais c'est vrai qu'elle est toute petite. Bref. Alors, là je me retrouve dans le couloir, je sors. Parce que si
sinon c'est pas agréable pour vous. J'éteins la lumière et je vous laisse voir un petit peu ce que cette caméra enregistre du coup dans cette pièce qui était donc du coup ma chambre. Voilà, ça c'était ma chambre. Là aussi c'est des souvenirs un petit peu lourds, mais c'est pour ça que je suis venu de toute façon, parce que je voulais vraiment essayer de rentrer en contact avec peut-être des personnes qui sont ici, je sais pas. C'est une vraie expérience pour moi. Sûrement peut-être la meilleure. Donc on va tester tout ça. Alors, ce que vous voyez à gauche, c'est du coup le theremin. Juste à côté, j'ai mis la ghost leaf. À côté de la ghost leaf, vous avez le rempon. Et juste à côté, vous avez l'enceinte du theremin. Donc on va voir. J'ai beaucoup d'espoir en cette chambre, puisque c'était la mienne. Enfin, c'était la mienne. J'y ai passé un petit moment. Voilà. Donc, c'est un peu comme si c'était la mienne. Allez. On va essayer de s'infiltrer un petit peu plus loin. Alors quand j'étais ici, cette zone, c'est une zone que j'avais pas trop le droit d'explorer. Je sais plus pourquoi, je me souviens juste que j'avais plus le droit. J'avais pas le droit de venir ici. Donc, c'est vrai que quand j'ai pu découvrir cette zone, quasiment 30 ans après, je peux vous dire que ça fait quelque chose. Bon, on va venir regarder tout ça après. Activer le plan de l'étage. C'est extrêmement épuisant de bosser comme ça avec une chaleur pareille. Je vous promets, c'est dur. Alors, les amis, ici, qu'est-ce qu'on a ? Un grenier, rien de plus banal, le bon vieux grenier d'époque. Voilà, on a un pod, un détecteur de vibration et évidemment le petit plan qui est là pour nous capter tout ça, nous surveiller tout ça, pour essayer de nous montrer de belles choses. Oh putain. Oh putain les amis, je suis venu me faire une peur. J'ai eu un frisson. Je sais pas si vous voyez le poteau là à droite. Le petit poteau de la rambarde, celui-ci. Hop, zoom. Focus, s'il te plaît. Allez, fais-moi un petit focus. Là. Ça, quand je l'ai vu, je me suis imaginé que c'était une petite fille, quoi, tu vois, qui me regardait, tu vois, t'imagines, l'horreur. J'ai flippé, quoi, tu vois, imagine, j'ai fait ça, hop, t'es là, tu vois, tu t'imagines une petite fille, t'imagines le truc, l'horreur, l'angoisse. Bon, alors, ici, j'ai pas de raison particulière de le mettre, c'est juste que je trouve la pièce suffisamment grande,
et intéressantes et que les autres sont quand même assez petites, même si elles sont plutôt glauques les autres. Je vais vous les montrer après, on va y faire un tour. Les autres sont très glauques, vraiment. Mais ici il y a du bois, il y a un détecteur de vibration et j'ai besoin un peu de ce bois pour espérer capter quelque chose. Sur de la moquette avec le détecteur de vibration, c'est même pas la peine, quoi. Bon, allez, je vous active ce plan. Et je vous montre tout ça. Ok. Je me mets à côté. Et je vous montre ce que capture cette caméra. Donc là, on a une partie de la... Je vais même décaler un peu plus la caméra. Alors là, il y a un petit 61. Honnêtement, j'espère que c'était pas une piole. Parce que si c'était une piole, pas génial. Ça aussi, par contre, si c'était une piole, je pense que c'était une piole, mais sans déconner, j'aimerais pas dormir dans un truc comme ça. Bref. On va regarder ça après. Putain, j'ai l'impression d'entendre des bruits. On va s'activer le tout dernier plan. Si vous les entendez, je pense pas. Je vais vous expliquer un truc après, vous allez me prendre pour un fou. Oh putain. Alors ça, malheureusement, c'était pas du tout comme ça tout à l'heure. Et j'ai pas filmé, je suis un peu déçu. Si j'en avais, je le sentirais. Parce qu'il fait tellement chaud que le moindre courant d'air serait bienvenu. Alors du coup, on va finir ça rapidement, comme ça on va commencer. Là j'ai mis une armada de matos. Donc, hop. Juste ici, on a le DI que vous connaissez. L'anémomètre et le ghost leaf. Et détecteur de vibration. Voilà. J'ai mis tout ça comme ça, par hasard. Voilà. Il faut essayer. Il faut essayer. Et là, on a cette caméra. Et donc, cette grande pièce qui est au rez-de-chaussée. Je te jure, j'ai l'impression de voir des trucs. Je vais t'expliquer, c'est en rapport avec ce que je viens de te dire. Tout à l'heure, je voulais te parler d'un truc, je vais te le dire. On va pas me prendre pour mouf. C'est depuis aujourd'hui que je sais que j'ai décidé plutôt de venir ici. J'ai eu des hallucinations en fait. Comme si j'avais par moment, je voyais certains trucs. Ça m'a fait flipper à chaque fois en fait. J'ai sûrement rien vu hein, au final. Mais ça m'a foutu la trouille en fait.
je te jure, j'ai l'impression de voir des trucs. Je vais t'expliquer, c'est en rapport avec ce que je viens de te dire. Tout à l'heure, je voulais te parler d'un truc, je vais te le dire. Faudra pas me prendre pour ouf. C'est depuis. Depuis aujourd'hui. Que je sais. Que j'ai décidé plutôt de venir ici. J'ai eu des. Comme des hallucinations en fait. Comme si j'avais par moments, je voyais certains trucs. Et ça m'a fait flipper à chaque fois en fait. J'ai sûrement rien vu hein, au final. Mais ça m'a foutu la trouille en fait. Bon, allez. Ça va être très compliqué parce que avec la chaleur, la fatigue et l'émotion un petit peu, tout ça mélangé, c'est un sacré cocktail. Donc je vous montre ce que cette caméra capte et après je vais vous expliquer un petit peu ce que j'avais à vous dire. Donc là, vous voyez que cette caméra, elle capture du coup une bonne partie de cette chambre. Là non plus, il n'y a pas de raison particulière, parce que c'est une zone que je ne connaissais pas de toute façon. Je suis venu déposer ça tout à l'heure ici. Et j'ai pas vraiment de raison particulière à faire ça, quoi, à mettre le matos ici. Ok, allez. Donc là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'y mettre et on va essayer de s'éclairer moyennement on va dire avec cette petite lampe d'ailleurs qui m'a été gentiment offerte par Olight. Ouais, petit placement de produit, j'en profite, hein, je l'ai déjà fait mais ça me fait plaisir de vous la montrer, cette petite lampe LED qui a plusieurs modes, hein, vous connaissez tout ça. Hein, vous avez vu, okay, vous avez déjà vu sur la vidéo. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un mode qui est plutôt discret et je vais en profiter pour l'utiliser un maximum. Donc, je vous montre un petit peu la ghost leaf, là, vous voyez dans quel sens elle est. Je vais vous zoomer ça. De toute façon, il y a une caméra qui surveille ça. Je crois qu'elle bouge le positif. Ça c'est des gouttes, ça doit être des gouttes. On commence les amis, c'est parti, on se lance. Et on va peut-être même commencer ici, tu vois. C'est bon ça. Oula, la ghost leaf, elle a bougé. Elle bouge. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que c'est vous qui faites bouger cette ghost leaf, ce papier? Il y a un objet devant moi que j'ai renommé la ghost leaf. La feuille a bougé, elle vient de se remettre dans sa position d'origine dans laquelle je l'avais mise. Vous pouvez la faire tourner? Si vous êtes là, s'il vous plaît.
je ne me suis pas présenté. C'est vrai que j'aurais dû le faire tout de suite. Mais je pense que peut-être, si ça fait longtemps que vous êtes là, peut-être que vous me connaissez. J'ai été un des enfants qui a séjourné ici quand il était petit. Et aujourd'hui, je suis de retour, bien plus âgé, parce que je sais que ce bâtiment est... Enfin, j'ai découvert qu'il était à l'abandon il y a quelque temps. Et surtout, je sais qu'il va être réhabilité pour quelque chose de moins dramatique. Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous pouvez faire bouger le bout de papier qu'il y a sur la pointe de l'objet qui est en face de moi, s'il vous plaît ? Vous pouvez faire ça maintenant ? Ce n'est pas un ordre, c'est juste une proposition. Est-ce que vous voulez bien ? Ça me ferait vraiment plaisir. Merci. Et pouvez-vous le faire un petit peu plus fort? Le faire tourner un peu plus? C'était très léger. Il bouge bizarrement. Très bizarrement. C'est un peu flippant. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le faire tourner un peu plus ? Bon, c'est pas grave. On a tout notre temps. On a tout le temps. Je suis là pour quelques heures. Ça fait déjà quelques heures que je suis là, mais je suis là encore pour quelques bonnes heures. Donc, je vais revenir à cet étage. Je vais aller un petit peu au dernier. Je vais me promener un petit peu partout. Si vous êtes ici, et que par exemple, vous décidez de venir discuter, communiquer avec moi d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à me suivre et venir avec moi et regarder ce que je fais. Peut-être apprendre comment communiquer avec moi. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous acceptez ? Pouvez-vous faire juste quelque chose, ce que vous voulez, n'importe quoi, pour me donner une réponse ?
pied qu'il y a un courant d'air. Je ne sens pas le moindre mouvement d'air. Il y a quelques petits bruits au niveau de mon micro, je ne sais pas ce que c'est. J'espère que ça ne va pas être pire. Elle bouge beaucoup, hein. Je vais me mettre à l'autre bord pour vérifier. De ce côté-là, il n'y a pas d'air. Et puis la feuille, quand elle se dirige vers toi, ça te fait toujours un effet de flou. Alors écoutez, je ne sais pas si c'est vous qui faites ça, qui venez de faire ça. Je vais me déplacer vers la droite, vers ici. Est-ce que vous pourriez la diriger vers moi ? La feuille, s'il vous plaît. Bon, écoutez, j'insiste pas, je vais essayer de prendre ça pour une réponse et me dire simplement que vous avez déjà peut-être voulu communiquer, et si c'est le cas, ça me fait plaisir. Donc, si c'est vous qui m'avez donné une réponse, je vous en remercie. Ce que je peux vous dire, les amis, c'est que je n'ai pas senti terre ni à cette porte, ni à celle-ci. Donc, c'est très bizarre, très très bizarre. En tout cas, si c'est une réponse, c'est déjà, ça commence très bien et ça me fait vraiment plaisir, surtout ici. Allez, je suis désolé pour les petits bruits de micro qu'on entend. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est pas très très gênant, mais ça pète un peu de temps en temps. Si je peux essayer de les couper, je les couperai. Je ferai au mieux. Allez, je vais essayer de visiter un petit peu pour vous montrer un petit peu cette bâtisse, ce bâtiment qui est quand même très très grand, vous allez le voir. Regardez par exemple, pour vous montrer que ça va être réhabilité, ce type de meubles, il y a pas mal de documents comme ça, vous verrez qu'il y a écrit dessus à conserver, parce que je pense qu'ils vont faire un gros ménage ici. Alors comme ça, c'est un placard dégueulasse. Là il y a des cuisines, on va aller voir ça après, parce que j'ai tout fait ici, je sais pas. Ça me rassure pas beaucoup par contre. Je vais essayer d'y aller, mais j'ai pas une énorme envie. Hein. Ça recommence. Écoutez.
J'ai entendu ça tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si quelqu'un. Putain. J'espère que c'est le bois. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui arrivait derrière moi, quoi. Trop angoissé là. Bon, je vais tenter la cave. La cave, malheureusement, je la connais pas. Ça, c'est pas du tout, alors pas du tout mon trip. Pas rassurant, je suis pas claustro. Assez longtemps, j'espère que c'est pas lourd, j'espère que c'est pas profond, et j'espère. Écoutez ça. Il y a quelqu'un qui dort. Alors ici, ce que je vais essayer de vous montrer et surtout de vous faire comprendre par rapport à l'erreur que j'ai fait, c'est que là, pour le coup, ce que j'ai enregistré, c'est simplement et uniquement une chouette effraie. Pourquoi sur le moment, j'ai cru que c'était quelqu'un qui respirait, quelqu'un qui dormait dans le bâtiment? Simplement parce que je pense que sur ce cas-là, et c'est un cas qui est très particulier et très intéressant pour le coup, je pense qu'il y a deux chouettes effraies. Parce que le cri d'une chouette effraie, je vais vous le faire écouter tout de suite, c'est ça. Donc là vous voyez que sur ce son, cette séquence que j'ai récupérée sur internet, alors je vous ai pas mis la vidéo pour les droits d'auteur, mais je vous ai mis la partie audio, ce que vous avez là c'est un cri qui est unique et long en fait. L'enregistrement que moi j'ai fait sur cette soirée là, c'est un cri qui est plus rapproché, enfin en tout cas les deux sont plus rapprochés, mais je pense que justement il y avait deux chouettes effraies qui étaient en train justement de crier, de faire leur cri de manière assez décalée, et du coup ça donne une espèce de son qui ressemble à quelqu'un qui respire. Alors pourquoi moi j'ai cru que quelqu'un respirait? Parce que du coup le son, comme il est enregistré à des endroits différents, alors par ma caméra à moi, par les caméras fixes, le son est plus ou moins étouffé en fonction de la zone où je captais ce son. Donc du coup c'est vrai que quand il est vachement étouffé, on a l'impression que quelqu'un dort quelque part, alors que là pour le coup ça n'est pas du tout ça. C'est uniquement une ou deux chouettes effraies, peut-être même qu'il y en avait une troisième, je sais pas trop. Mais au final, voilà, il n'y a rien de paranormal, ça n'est qu'une chouette qui était dans les parages et qui a été là toute la nuit, toute la soirée. Je sache. Thank you.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que vous pouvez faire du bruit ? Ou venir à mes côtés ? S'il vous plaît. J'ai pas été plus loin en fait. Je suis venu ici. Tu vois, ça c'est ici qu'on mangeait. C'est ici qu'on mangeait. Et je suis arrivé par cette porte là, tu vois, il y a un escalier là derrière qui mène à ma chambre. Je suis venu et cette porte là était fermée et du coup j'ai pas été plus loin parce que je faisais juste un petit tour comme ça. C'est quoi ça? Il y a un petit bruit. Baisser le son du theremin parce qu'il fait trop de bruit et ici c'était pas possible, c'était sourd, je le prenais pas. C'est pas cette zone de l'époque où j'étais ici. Je la connaissais pas. Le sol qui donne cet effet-là. C'est le fait qu'il y a quelqu'un qui est juste derrière toi, quoi.
Est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît. Je m'appelle Cédric. Ce grenier, on a une petite pièce comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Quelqu'un qui souhaiterait communiquer avec moi? Vous pouvez venir vers moi? Venir me dire deux mots? S'il vous plaît? Thank you.
continue à faire ce tour. Parce que le bâtiment est très grand. Et je voudrais pas que ça prenne trop de temps. C'est pour ça que j'essaie de... Qui est là? C'est pas le... C'est pas la chouette parce qu'elle fait toujours son bruit de... comme si elle dormait là. Il y a eu un espèce de bruit mais démoniaque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que je viens de vous entendre? Oh putain, ce bruit quoi. C'est pour ça que j'essaie de... essayer de faire comme s'il venait simplement de rien se passer parce que sinon je vais rester bloqué ici. C'est quoi cette tapisserie quoi? Rien que ça, c'est pas normal quoi. Le mec qui a fait cette piole, il s'est pas dit que ça allait être flippant. On se croirait dans un truc de film d'horreur, mais de fou quoi. Là, il te manque plus que le truc de fou, c'est genre la porte qui se met à claquer d'un coup là. Grenier. Et là dans les médias on va continuer parce que comme je vous ai dit c'est très grand et je vous cache pas que là je suis pas du tout à l'aise là. Et puis ce plancher là qui fait un bruit de fou dès que tu manges dessus. Je sais pas si j'hallucine ou si j'entends des trucs. C'est vous terminer cette visite. Et je vais me faire une pause parce que j'ai chaud, très chaud. Je stresse. Vraiment, je vous le dis, je stresse, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. J'ai besoin de faire une petite pause. Je suis pas au meilleur demain.
Mais on te demande de votre courage. Donc là, pareil, une double salle de bain. Ça, j'avais jamais vu ça. Je savais même pas qu'elle était là. J'ai même pas le souvenir d'avoir déjà été dans cette salle de bain. Très bizarre. Je me souviens pas de ça. Il y a des sanitaires à côté, je m'en souviens. Pas ça. Et rien n'a changé, ça n'a pas été rénové depuis. Tu vois, c'est très grand. Il y a de grandes, grandes pièces. Sanitaire. Là-bas, y a... là-bas, t'as une douche. Le dernier là-bas, c'est une douche. C'est fou de revenir ici, en fait. Tu vois, quand j'étais petit, non, c'est moi. Je me lavais les dents aussi. Sauf que bon, moi, j'arrivais pas à la hauteur du truc. Hein. Je me voyais pas là-bas. Alors ici, il y a pas mal de chambres. Il y avait une fille que j'aimais bien, qui était dans une de ces chambres, je crois. Je crois que c'était celle-là. Je crois que c'était une salle comme une salle de c'est une salle de jeu, de repos, de télé, de spectacle, de... si je me trompe pas. Après, j'étais très petit, hein. J'étais très très petit, je te dis, j'étais un bébé. C'est quand t'as 6 ans, 7 ans, je sais plus, ou 10 ans, j'en sais rien, à quel âge je suis venu ici, je m'en rappelle plus. J'étais tout petit, quoi. Très vague. Et je dois pas être loin de la vérité, tu vois. Il faut vous montrer.
Donc là, il y a encore des sanitaires. Ok, pas besoin d'aller vous montrer, c'est juste des douches, quoi. Ça donne sur la partie où il y a le fameux monsieur qui habite en face. Pour qui je dois me faire un peu discret. Ok. Là on revient à côté du QG. C'est l'accueil, c'est là où on nous accueillait quand on arrivait la première fois ici. Putain. Tu vas donc arriver par cette porte-là. Hop. Ok. Et on rentre ici, il y avait un bureau là. Je pense que c'était simplement des bureaux. S'il dort. Alors là, je peux pas y passer avec la caméra. Et il y a le grillage là qui me gêne. Donc je vais pas le pousser, ça fait trop de bruit. Il reste une pièce là. Juste une pièce vide. Aucun intérêt. Et là t'as un couloir avec une petite pièce là-bas. Et ça c'est la pièce qui donne là. Voilà. On a tout vu. Maintenant, je vais me faire une petite pause. Alors ici on a un bruit qui est lourd, qui est assez soudain, sec. Rien ne dit que c'est quelque chose de paranormal, absolument pas. C'est peut-être quelque chose de naturel, je ne sais pas. Je trouvais que c'était intéressant de le relever, mais j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce son, mis à part qu'il fallait le relever et le montrer. Cette séquence, par contre, elle est plutôt intrigante, je dirais, même pour moi très flippante même, parce que on a trois sons différents. On a le premier claquement, qui est lui très très sec, ça pourrait être un craquement de bois, je pense même pouvoir affirmer que c'est un craquement de bois, ça n'a rien de paranormal. En revanche, juste après, on a une séquence de bruit très sourd. C'est des bruits de pas, c'est clairement des bruits de pas. Moi je suis à l'opposé du bâtiment, je ne marche pas, il n'y a personne dans ce bâtiment, donc ça pour moi, même si je ne peux pas me permettre d'affirmer que c'est quelque chose de paranormal, pour moi là j'ai quelque chose vraiment de très très intéressant.
Donc, je vais juste vous laisser réécouter. Je ne vais pas forcément me prononcer plus que ça. À la fin, on a ce petit claquement, craquement aussi. Je pense que ça n'a rien de paranormal. C'est peut-être lié avec ces bruits de pas qu'on entend. Mais cette séquence, pour moi, est très très importante et très intéressante, vraiment. Alors, sur cette séquence, on a un son qui pourrait très bien être lié au bruit précédent, les bruits de pas. Pourquoi ? Parce que la sonorité, le côté étouffé est quasiment le même. C'est un petit peu plus fort, c'est un petit peu plus prononcé, mais là, ça ne ressemble pas à des bruits de pas. On dirait vraiment quelque chose qui bouge comme ça d'un coup. Est-ce que c'est un animal ? Je ne sais pas. En tout cas, je peux juste confirmer et affirmer que les bruits précédents ressemblent énormément à des bruits de pas, mais là par exemple ça sonne pas pareil, c'est pas vraiment la même chose. On a plutôt l'impression d'entendre vraiment un déplacement comme ça d'un coup. Donc j'ai pas d'avis réel sur ce son, mais voilà, il fallait le relever. Je trouve ce son, cette séquence intéressante. Alors ici c'est très furtif, même moi sur le moment je l'entends pas, je l'entends absolument pas. On a comme une voix, on dirait une voix. Ça peut être un animal aussi, il faut pas mettre ça de côté. Ça pourrait très bien être un animal, mais c'est vrai que c'est une petite sonorité de voix d'enfant. Voilà, on peut tout imaginer après, mais voilà, je voulais le montrer, le retenir aussi, voilà, tout simplement. C'est pour ça que je suis venu de toute façon, parce que je voulais vraiment essayer de rentrer en contact avec peut-être des personnes qui sont ici, je sais pas, c'est une vraie expérience pour moi. Alors cette séquence, je vais vous la montrer suivie de la séquence d'après, parce qu'il y a peut-être un rapport, je pense. Là vous allez voir, on a un bruit soudain qui ressemble à un déplacement, quelque chose de très soudain. Et la séquence d'après, vous allez voir qu'on entend en fait la chouette effraie qui apparemment s'excite d'un coup, et on entend des déplacements, des bruits. Donc je pense que tout ça est lié, ces deux bruits-là, et que là on a juste affaire à un animal qui se déplace, tout simplement. Alors là, on a encore une fois quelque chose qui ressemble à des bruits de pas. C'est beaucoup moins flagrant que la séquence précédente avec les bruits de pas aussi. Mais là, c'est vrai qu'on a quand même aussi quelque chose qui ressemble beaucoup. Donc encore une fois, je n'affirme pas, parce que là, je ne peux pas. C'est très discret. C'est présent, mais c'est très discret. Donc je vous remets quand même cette séquence, mais c'est vrai que ça reste quand même assez troublant et ça vaut le coup d'être écouté et d'être montré. Alors ça c'est très intéressant, je vais resituer un petit peu le contexte rapidement. J'étais concentré sur la Ghost Leaf à ce moment-là. Je commençais à essayer d'entrer en communication, j'essayais d'interpeller.
Et on peut entendre un premier son où je pense que c'est un chien. Je pense que c'est un chien au loin. Par contre, à deux reprises, on entend un ou-ou, quelque chose comme ça, qui pour le coup ressemble énormément à une voix. Suite à ça, on peut entendre à nouveau, je crois que c'est un chien encore, au loin, mais ces deux sons qui ressemblent à un ou-ou, un coucou, ou quelque chose comme ça, ils sont bien présents. Encore une fois, ça peut être un animal, mais il y a quand même une sonorité, quelque chose qui pour moi me fait plus pencher vers une voix un peu féminine. Mais voilà, je ne sais pas vraiment ce qui se passe, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais en tout cas c'est présent et ça vaut vraiment le coup d'être montré et écouté. Est-ce que vous le savez ? Je suis... ou alors j'ai halluciné, mais... je suis sûr qu'elle a bougé la costume. Alors là, il se passe quelque chose que je ne comprends toujours pas de toute façon aujourd'hui. Il y a une séquence en fait où les choses s'enchaînent un petit peu, comme si vraiment il y avait une espèce d'interaction non voulue. Mais en tout cas, il se passe bien ça. On a ce bruit long. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas vraiment à quoi ça ressemble. J'arrive pas à l'identifier clairement, je sais pas du tout ce que c'est. Ça me fait très très peur parce que je l'entends vraiment sur le moment très très bien. Ensuite je parle de quelque chose de démoniaque et on entend un espèce de bruit craquement qui est peut-être là par hasard, hein, qui tombe peut-être là au bon moment. Et pour finir, plus bas, on a une voix qui là est plutôt masculine. On dirait un ricanement, quelque chose comme si quelque chose se moquait, comme si quelque chose avait compris que là j'avais peur, que j'étais pas bien. Donc ça sert très très bien l'épisode, c'est vrai, ça fait vraiment très très peur, en tout cas pour moi quand je réanalyse tout ça, et je trouve que ça par contre c'est vraiment quelque chose de ouf et de très intéressant sur une enquête. C'est pour ça que j'essaie de... Qui est là ? Une espèce de bruit démoniaque. Alors, pour finir sur cette première partie et pour faire un point général sur ce qui s'est passé, on va terminer sur cette dernière séquence, du coup, de cette première partie de cette enquête où il y a un bruit que je ne semble même pas entendre, je le calcule pas, je suis complètement ailleurs, je pense, je n'entends pas ce bruit, pourtant il est très fort, il est très clair, il ne vient pas de moi. On entend trois coups, mais trois coups vraiment très clairs, qui sont très réguliers. Ça ne vient pas de moi, absolument pas de moi, mais ils sont là. Et je ne les entends pas, et je ne comprends pas, même après analyse, je ne comprends pas d'où ça vient, ce que c'est, enfin d'où ça vient si. Je pense que ça vient clairement de la pièce dans laquelle je me trouve. Je ne parlerai pas de craquement de bois, parce que c'est vraiment très régulier, ça ne ressemble pas du tout à du bois qui craque. Je ne sais pas ce que c'est, je suis même très surpris de ne pas l'avoir entendu, parce que c'est très fort. Maintenant, pour faire un point tout à fait général, avant de vous montrer cette dernière séquence et de se quitter ici, pour une première partie où je n'ai pas beaucoup interpellé, je l'ai fait pas mal, mais je veux dire, je ne l'ai pas fait dans un sens très... insistant, ça a été très très léger. Je trouve qu'il s'est passé déjà énormément de choses. Il y a eu beaucoup de faits très intéressants et très troublants. J'aurais aimé pouvoir y retourner, je ne pense pas pouvoir le refaire. Mais si j'ai l'occasion de le faire, j'y retournerai bien évidemment. Parce que il s'est passé tellement de choses que je pense que ce lieu a encore beaucoup de choses à nous dire et à nous raconter.
Donc on va se laisser sur cette dernière séquence, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite pour la seconde partie de cette vidéo et de cette expérience. Ça donne sur la partie où il y a le fameux monsieur qui habite en face. Là, on revient à côté du QG.